Salut la team sur Rémi, c'est Batsur et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dragon City. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 14 je crois, ou 15, je sais plus. Donc voilà, aujourd'hui on va apprendre comment avoir le dragon Archange, Justice, Soleil, Luminescent et Mater Natura. Donc voilà, ils sont là, donc c'est les 5 qu'on va apprendre à avoir aujourd'hui. Donc voilà, je suis bien en avance comme vous pouvez le voir, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, alors avant de passer au sujet de la vidéo, on va juste récolter tout cet or. Donc voilà, comme vous voyez, mon village a bien avancé depuis le dernier coup. Je suis niveau 39 d'ailleurs. Et j'ai fait un truc, c'est qu'à chaque fois je range par type d'habitat. Donc terre, feu, obscur par exemple. Donc sur cette île, il y a les glaces, les eaux et il y a un habitat lumière et un habitat bataille. Donc voilà. Ensuite là, on a des habitats nature, des habitats métal et électrique. Donc là on a des habitats feu, roche et obscur. Et donc là on a un peu de tout, donc on a de l'habitat vent, on a de l'habitat primitif, arc-en-ciel, voilà des petits trucs comme ça. Donc voilà, donc ensuite on a ça, alors on arrive. Alors, bam, on va mettre ça, c'est pas mal, et là on a rien non plus. Donc voilà, hop, on va direct passer au sujet de la vidéo. C'est parti. Bon les gars, vu que j'ai pas la grotte de reproduction de libre, bon on va gémer. Voilà pour une fois. C'est parti, donc on va avoir un new. Donc en même temps on va pouvoir voir qu'est-ce que c'est. Et c'est le dragon cygne noir. Donc pour le dragon archange, c'est très simple. Vous allez dans le magasin dragon or. Et là, il est là. Donc il coûte 385 000 or. Et on l'a à partir du niveau 26. Donc voilà. Donc soyez niveau 26. Et si vous êtes en dessous, bah, vous devez attendre malheureusement. Et d'ailleurs vous pouvez même pas faire les croisements de dans cette vidéo. Donc il faut absolument le dragon archange, je précise, pour avoir les dragons que je vais dire juste là maintenant. Donc voilà, donc maintenant on va passer au dragon justice. Donc celui-là il faut aller dans la grotte de reproduction, donc dans le mont. Et vous allez tout simplement taper dragon archange plus le dragon terre. Donc voilà. Et là, si on voit dans les résultats possibles, on peut voir qu'il y a le dragon justice ou le dragon orge. Donc voilà, le plus facile à voir est le dragon justice. Dragon orge est un peu plus dur. Si vous l'avez, tant mieux, parce que c'est pas mal. Moi, je l'ai même pas. Donc voilà, c'est pareil pour l'inverse. Si vous mettez terre à gauche et archange à droite, ça marche. Donc voilà, les gars. Donc pour le dragon soleil c'est très simple, vous avez juste à mettre archange plus flamme. Donc voilà, ensuite résultat possible, dragon soleil. Donc voilà, c'est le plus dur à voir des deux. Donc le dragon patriote est plus simple à voir et je l'ai même pas d'ailleurs. Donc voilà, donc je sais que j'ai eu assez de chance. Mais ne vous inquiétez pas, il est quand même simple à voir. Donc voilà. Ça marche aussi si vous mettez le dragon flamme à gauche et le dragon archange à droite. Donc voilà, je précise à chaque fois. Au cas où. Donc ensuite on va passer au dragon luminescent. Pour le dragon luminescent, il suffit de faire archange plus marée. Donc voilà, on va dans résultat possible et là on voit qu'il y a le dragon luminescent ou le dragon lueur. Donc le plus simple est le dragon luminescent car quand on voit dans les raretés, alors je sais pas si on peut voir là. Voilà, là on a au commun, rare, très rare, épique, légendaire, héroïque. Le dragon lueur est très rare alors que le dragon luminescent, lui, il est rare. Donc ça fera plus de chances d'avoir le dragon luminescent. Donc voilà, maintenant on va passer au dragon Mater Natura. Donc pour le dragon Mater Natura, il vous faudra le dragon archange et le dragon nature. Vous les assemblez. Donc dans résultat possible, il y en a 4. Donc il y a le Mater Natura. On peut aussi avoir le dragon mignon, le dragon forestier et le dragon charme. Donc le dragon charme, il va être plus dur que les 3 autres. Mais moi, comme vous voyez, je crois que je l'ai fait qu'une fois et j'ai eu le dragon Mater Natura sur les 4. Donc voilà, je sais pas si j'ai eu de la chance ou que c'est le plus simple. Mais en tout cas, voilà, ça marche. Et pareil pour l'inverse, donc nature à gauche, archange à droite, ça marche aussi. Donc voilà, maintenant on va faire la suite de la vidéo, donc les combats et tout. Donc voilà, c'est parti. Donc on va aller voir dans ce premier temps la nouvelle île qui est là. Donc j'ai 307 deux petites pièces là.
Donc regardez là, on a le dragon, je sais pas comment il s'appelle, mais bon, voilà, on s'en fout. Donc je vais pouvoir attaquer avec mon dragon Pignata. Comme ça, si vous êtes dans un combat comme ça, faites toujours le premier combat parce que ça va vous coûter moins cher du coup, logiquement. Alors que si vous payez d'un coup, bah, ça va vous coûter plus cher. Donc voilà, là j'ai plus que 100 à payer, donc c'est beaucoup mieux. Regardez, et là hop, je peux pas. Voilà, j'ai un peu le seum, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Donc voilà, on va passer maintenant au combat de ligue. Donc c'est ultra chaud vraiment, c'est vraiment hard. Mais on va essayer quand même, c'est parti. Premier combat, donc on est dans la merde. Oui, on est clairement dans la merde. Donc voilà, ça commence mal. Bon, clairement on a perdu. Vous voyez bien qu'il a 61 000 de vie. Je pense qu'on va même pas le tuer en fait, parce que il a tellement de vie que c'est impossible. Et en plus, il me one shot quasiment. Donc voilà, on est clairement dans la merde. Donc on va quand même terminer le combat, mais bon, ça sert à quoi? À rien, mais on s'en fout. Donc voilà, on l'aura même pas tué. Voilà. Deuxième combat, c'est parti. Alors on passe à lui par exemple. Donc je sais pas s'il est fort ou pas cette fois-ci. Et oui, pas mal, mais il y a moyen. Ça va être chaud. Mais on va bien voir. Est-ce que c'est possible? Déjà, est-ce que c'est possible? Je sais pas. Oh, on l'a tué. Déjà, c'est pas mal. On l'a tué. Ah oui, il a une étoile. Ah ouais, il a une étoile quand même, donc faut faire gaffe. Mais en vrai, on gère bien là, parce qu'on lui fait du puissant. Et ça, c'est plutôt cool. Et en plus, il nous tue même pas. Donc on va faire Rafale Feuillu. J'espère que il va pas nous tuer. Donc voilà, on va essayer. Donc astéroïde. Oh non. Oh non, 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 non. Oh non, c'est une blague. C'est une blague. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la pub. Et voilà, parce que sinon, vas-y, j'y étais presque. Donc voilà, je vais prendre la pub. A tout de suite. Donc voilà, on n'a rien vu. On va dire qu'on a gagné. Hein, voilà, on va dire qu'il est pas mort, mon dragon. Donc voilà, ça c'est cool. Ensuite, le dernier combat, on va passer au niveau 35. Parce que ça se trouve, il a peut-être des dragons nuls. Oui, en fait, oui. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je prends toujours les niveaux bas. Et au final, si je prends les niveaux les plus hauts, ils sont niveau 28. C'est un truc de malade, quand même. Du coup, voilà, j'aurais dû faire ça depuis le début. Bon, normalement, on a gagné. À part si ils sont quand même assez forts, mais... En vrai, ça devrait aller. Il reste plus que le dragon émeraude illusoire, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on va gagner? Normalement, on a gagné. Oui, c'est bon, on a gagné. Hop, ça dégage. C'est plutôt cool. Voilà, hop, réclamé. Et voilà, les gars. Du coup, on a gagné. Donc, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite reproduction. Donc, je vais aller voir un petit truc. C'est là-dedans, voilà. Je vais essayer de faire le dragon... Ou allez, le dragon taureau, on va dire. C'est parti. Et on a un truc de merde. Donc voilà, c'est super. Donc, ensuite, on va partir faire la mission. Bon, du coup, je vais faire le combat. Mais je crois que, par contre, ils sont ultra chauds. Donc, je pense qu'on a perdu. Donc voilà. Oui, j'avais déjà fait le combat. Parce qu'en fait, quand on fait des combats dans le mode là, et ben... ils sont toujours à la même vie que à la fin du combat. Donc c'est ça qui est cool, c'est que du coup on peut le faire en plusieurs fois. Regardez, ils sont quand même niveau 40, moi j'ai que des niveaux 30. Donc comment vous dire que ça va être très long. Et du coup voilà, c'est mieux de le faire en plusieurs fois. Mais de toute manière, je crois que je vais pas arriver au bout. Mais c'est pas grave, car je vais avoir le dragon Apache quand même. Donc ça c'est plutôt cool, voilà. Du coup voilà, on a perdu, ça c'était sûr. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais juste vous dire que j'ai créé un nouveau clan car l'ancien clan était trop bordélique, il n'y avait plus personne qui jouait et je sais pas comment on banne des gens. Donc dites-moi en commentaire s'il vous plaît comment on banne des gens, c'est très important parce que du coup après vous pouvez pas rejoindre s'il est au complet et qu'il y a des inactifs dans le clan. Donc voilà, ça serait plutôt cool. Et donc voilà, mon clan c'est TS eSport, donc TS pour Team Surimi, donc voilà, vous vous en doutiez bien. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura bien aidé. Donc voilà, j'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo de Dragon City. C'était Batsur, bye tout le monde!